Bonjour, je voudrais vous parler du FIBO, comme ça va avoir lieu dans moins de, enfin dans une semaine là, quand vous verrez la vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est le FIBO et puis un peu d'histoire et puis je vais retracer mes péripéties au FIBO puisque ça fait presque 20 ans que j'y étais pour la première fois et j'ai loupé qu'une seule année. Donc pas mal de photos, documents qu'on va voir, on va passer en revue. Donc moi à l'époque. Donc un peu de contexte du FIBO, pourquoi j'ai commencé à y aller en 1993. Tout simplement parce qu'avant j'étais aux États-Unis, donc le problème ne se posait pas. Et quand je suis revenu, donc j'ai fait l'armée, contrairement à ce que des gens qui connaissent mieux ma vie que moi ont pu prétendre que j'avais jamais fait l'armée. Donc j'avais demandé un jour de perm qui m'avait été accordé. J'avais rien dit parce que normalement on n'a pas le droit de quitter le territoire. Ou sinon il fallait signer des paperasses et tout. Donc j'avais rien dit. J'étais parti en Allemagne, donc en train. Le train on le prenait le soir vers 10-11 heures et puis on arrivait à 4-5 heures du matin. En Allemagne, bien crevé, parce que toutes les heures, il y avait un contrôleur qui venait contrôler les billets en claquant bien la porte. Donc même si on avait le malheur de dormir, on était réveillé en sursaut. Donc après, on peut s'étonner que le train soit plus très populaire. Donc bonne prise de masse encore. Donc pourquoi aller au FIBO? Parce que c'est simplement le plus grand salon du monde de bodybuilding, fitness, musculation. Qu'on peut trouver, même aux États-Unis, ils n'ont pas l'équivalent. Donc, ça vaut le coup d'aller en Allemagne. Et surtout, alors en 1993, il y en a qui commençaient à se plaindre que ça commençait à décliner, etc. Mais enfin, ça m'en a foutu plein les yeux dès le premier. Alors pourquoi on va au FIBO? Ben, en grande partie, pour rencontrer des champions. Donc là, Dorian Yates, mais enfin il n'était pas seul, parce que cette année-là, donc en 93, il y en avait un gros paquet des champions. Là, Renel Janvier. Là, Blanchette, c'était une Anglaise. Fred Hadfield, Dr Squat. On va s'apercevoir que de ceux que j'ai rencontrés donc en 20 ans, il y en a beaucoup qui ont arrêté la muscu et puis d'autres malheureusement quand même un bon paquet qui sont morts. Donc Sonny Smith qui a été Mister Olympia Masters Australie qui nous a quittés. Par contre Vince Taylor Master Olympia aussi mais qui est toujours là. Ah, le plus gros du FIBO, c'était Lou Ferrigno. Il était énorme. Alors ça se voit pas beaucoup sur la photo, mais la veine qu'il y a sur ses biceps, elle était au moins aussi grosse que mon pouce. Donc un pouce. Donc ça c'est juste la veine qu'il y a sur le biceps. Donc fallait imaginer le bestiau en dessous. C'était vraiment le plus gros. En plus il était super sec du FIBO. Donc vraiment impressionnant. Derrière je crois que c'est son fils. Par contre le problème qu'il avait c'est que bah on verra, comme il y avait Yates, ils vont se comparer. Quand on les voit tous les deux comme ça sur le stand, Yates il faisait tout petit. Mais une fois monté sur scène, le problème c'est que Ferrigno il disparaissait un peu, puis Yates il faisait plus gros. Donc ils étaient un peu à inégalité. Donc là, Ferrigno de dos. Là en posing. Bon évidemment, faut remettre dans le contexte, hein. En général, on était assez loin. Et puis 1993, il n'y avait pas de numérique, donc on était en argentique, ça coûtait extrêmement cher de faire des photos. Et puis j'avais pas un super zoom, parce qu'évidemment se trimballer toute la journée, c'est déjà sur un salon, c'est déjà fatigant, mais si faut se trimballer avec un appareil photo qui pèse 5-6 kilos, ça finit par faire mal. Donc j'avais ni les budgets, ni les moyens, ni l'envie d'avoir. Donc évidemment, comme on est un peu loin et puis que l'allemand, on le voit, est assez grand et puis n'hésite pas à te pousser
s'il veut prendre ta place. En plus, comme il est assez balèze et bien gras, donc très lourd, il pousse fort. Et assez impoli, je trouve, mais bon, ça c'est. Au Fibo, on est assez bousculé quand il y a du monde, mais enfin, ça vaut le coup. Donc là, c'était Yetz en posing. Toujours, je crois que c'est la même photo. J'ai des doublons. Là, pareil, tu crois que tu vas faire la photo du siècle et boum, il y a un gars qui met sa tête juste devant toi. Donc Ferrigno, hein. C'était pour son comeback pour Masters Olympia. Je me demande s'il faudrait vérifier, mais s'il n'avait pas fait Olympia aussi cette année-là. Mais enfin, il était énorme, 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 énorme. Alors évidemment, quand c'est ton premier FIBO, ça t'en fout quand même plein la gueule, quoi. Même si j'avais été m'entraîner au Gold Gym peu de temps avant, c'était loin d'y avoir autant de la densité de champions qu'il y avait au FIBO, quoi. Donc là, voilà. Alors, Ferrigno qui est 10 fois plus gros que Yetz, mais sur scène, malheureusement, ça ne. Il passe pas aussi bien. Mais quand on est grand, c'est une difficulté. Il passe pas aussi bien que. Alors, il y a des vidéos qui traînent, il suffit de taper FIBO 1993. Il y a des vidéos de leur posing, mais pareil, la qualité est probablement pas super bonne, parce qu'il n'y avait pas de numérique. Donc, si c'est des vieilles. Qu'à cette vidéo que les mecs ont récupéré, forcément que c'est pas super super bon comme. Donc voilà en comparaison. Ferrigno était beaucoup 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 plus gros, même si ça se voit pas. Donc voilà, avec son triceps arraché, puis un biceps qui est en mauvaise forme. Mais enfin, il était vraiment super super impressionnant. Là, on voit que bah il. Évidemment, si nous on vient de France, il y en a qui viennent du monde entier pour aller au FIBO, donc beaucoup de monde. Voilà, la pause. Alors on me demande souvent quel jour faut aller au FIBO. Allez-y le dimanche, comme ça je serai tranquille. Parce que comme il y a beaucoup de monde, ça sert à rien d'en rajouter en plus. Donc ça c'est Yolanda Ayus. Donc une pro américaine, là c'est une pro anglaise. Là on reconnaît Lianne qui était à la retraite et donc qui avait vraiment pas mal perdu, mais bon c'était sympa de le voir quand même. Là une sombre inconnue, au moins pour moi, mais qui était énorme. Surtout à l'époque, il faut se remettre 20 ans plus tôt. Donc là, Levron. Sean Ray. Donc vraiment le top de l'époque. Là, un gars que je connais pas. Mais enfin, bon, c'était. C'était quand même impressionnant. Donc Banout. Heureusement qu'il y a les photos, parce que même sous la torture, j'aurais juré que je l'avais jamais vu. Et pourtant, si, il était à ce FIBO-là. Là, Edgar Fletcher. Alors là, je le croise, il marchait comme ça. Le mec énorme. Et inconnu au bataillon. Énorme, énorme, énorme. Donc malheureusement, il n'est jamais passé pro. Mais super impressionnant. Et. Donc le FIBO c'est aussi ça, des rencontres de mecs pas connus mais qui sont largement de calibre professionnel. Donc Flex Wheeler, à côté il y a Al Q Gurley, là c'est Vince Taylor, donc après Flex en posing. Là pareil, bon les Allemands je les connais pas tous, hein, mais c'est probablement un champion allemand amateur. Mais les mecs étaient. Il y a beaucoup de mecs. S'il y a beaucoup de champions, il y a beaucoup de mecs gros qu'on connaît pas forcément. Donc ça c'est Chris Duffy qui était en fin de carrière. Alors l'autre grosse surprise, parce que je les voyais surtout dans les magazines et il était moyen,
C'était David Durst. Et puis après, Aaron Baker. Mais là, ils avaient explosé, les gars. Ils étaient passés en WBF. Et puis, je crois que la WBF, c'était sur la fin. Donc, il y en a qui avaient régressé à fond. Mais eux, ils avaient explosé, explosé. C'était hallucinant à voir, quoi. Enfin, surtout Aaron Baker. Mais David Durst aussi. Les mecs, ils ont explosé en une année, comme ça. On leur a donné de l'argent. Donc, l'argent de la WBF. Et ils ont... Évidemment, c'est un choc quand on les voit comme ça, en vrai. Donc, difficile de faire de la photo au bon moment, surtout avec l'argentique. Hein. Avec le numérique, ça aurait été plus sympa, mais bon. Encore une fois, ça n'existait pas à l'époque. Donc, Durst. Mais là, c'est les deux qui... Avec Firmino, parce qu'il était énorme, mais... par la qualité musculaire, c'est les deux qui m'ont scié là. Donc voilà, Baker de dos, des bras de folie quoi. Donc notre ami australien, donc décédé aujourd'hui, en posing. Bon, c'est dommage que les photos elles soient un peu loin, mais bon. Ça laisse quand même un souvenir. Et puis là, épique, c'était ces mollets que j'avais pris en gros. Bon, évidemment, en photo, ça atténue quand même toujours. Hein. Mais en vrai, c'était quand même... Ils étaient quand même sacrément gros, ces mollets. Super impressionnant à voir comme ça. Donc, des gars pas super connus. Je crois que c'est un Allemand, là. Là, c'est Cottrell. Là, c'est... Juliette Bergman, ça je me demande si c'est pas une néerlandaise aussi, Bergman, ça c'est une américaine dont j'arrive plus à me souvenir du nom, Sharon Bruno, canadienne, Linda Murray, donc il y avait tous les grands noms, tous les grands noms étaient là. Encore. Donc pose d'armes. Non, c'est pas Burman ou un truc comme ça, ce gars-là, un champion allemand. Donc voilà. Posi, mais c'est pas évident de les choper. Je crois que ça c'est Yolanda Hughes. La néerlandaise, ça pareil, un gars qui te pousse et boum, la photo elle est ratée. En plus, c'était 1 euro à peu près pour faire développer une photo, plus l'argent de la. Pareil, là, suffit qu'il y ait un gars qui te pousse et hop. Donc, c'était un budget photo. Donc, Al Kugerley, la Yolanda Hughes, Sharon Bruno. Miss Olympia, Sean Ray, Vince Taylor. Donc évidemment quand c'est son premier FIBO, Séverine Cottrell ou quelque chose comme ça. Donc quand c'est son premier FIBO, évidemment c'est assez impressionnant. De voir cette concentration de culturaux aussi bien connus que inconnus. Donc, super bonne expérience. C'est pour ça que j'y suis retourné tous les ans, même si c'était pas facile d'aller là-bas à l'époque en train. Donc, je vais faire la vidéo prochaine où je verrai, on va continuer année après année.